Frères et sœurs bien-aimés, la nuit vient de tomber et nous voici réunis pour prier. Nous voici réunis pour célébrer cette nuit unique, cette nuit merveilleuse et sainte où Jésus le Christ notre Seigneur est passé de la mort à la vie. Il y a bien des siècles, Saint Jean Chrysostome écrivait que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et la lumière de cette fête. Riches et pauvres, communiez dans la joie. Avez-vous été généreux ou paresseux? Célébrez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui n'avez pas jeûné aujourd'hui, réjouissez-vous. La table du festin est chargée. Goûtez-en tous sans l'ombre d'une réticence. Venez tous puiser aux richesses de la miséricorde. Oui, frères et sœurs, nous voici réunis pour commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, pour écouter sa parole, pour revivre cette longue histoire d'alliance entre Dieu et les hommes, cette histoire qui culmine dans cet événement que nous fêtons ce soir. Et cette célébration prend un relief et un sens particulier en ces moments tragiques où la maladie, la souffrance et la mort frappent l'humanité entière, nous rendant dans l'impossibilité de nous réunir pour prier. Mais nous sommes en communion réelle, par des moyens virtuels, les uns avec les autres. C'est une partie de la communauté des pèlerins et des fidèles du sanctuaire de Lourdes qui se retrouve ce soir avec les chapelains à la grotte de Massabielle, priant pour ceux qui sont malades, confiant à la miséricorde de Dieu ceux qui sont morts, implorant sa force pour ceux qui ne cessent de mettre leur énergie dans tant de domaines de la vie de nos sociétés au service de leurs frères et sœurs. Ensemble, nous entourerons également de notre prière les catéchumènes qui se préparaient dans la joie à recevoir cette nuit le baptême pour mourir avec le Christ et renaître avec lui à la vie et qui le recevront dans quelques semaines. Ensemble, nous prierons pour tous ceux qui ne peuvent célébrer Pâques en raison de l'oppression ou de la persécution. Nous voici réunis pour nous réjouir parce que la Pâque de Jésus est notre Pâque, parce que la victoire de Jésus est notre victoire, parce que le monde de la résurrection est déjà notre monde dans l'espérance d'avoir part un jour au triomphe du Christ sur la mort et de vivre pour lui, avec lui, pour toujours. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Deo gratias. Lumen Christi.
exultez de joie, multitude des anges. Exultez, serviteurs de Dieu. Sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, Mère Église, toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Et vous, mes frères bien-aimés, à la lumière de cette flamme, ne cessez pas d'en appeler à la bonté du Tout-Puissant. Il m'a choisi dans mon indignité pour être à son service. Que sa lumière me pénètre et je chanterai la gloire du cierge pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous, au Père éternel, le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du premier péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Ô merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour pour acheter l'esclave
tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempte. Ô nuit de vrai bonheur, toi seul pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. C'est de toi qu'il fut écrit, la nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés. Dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire, fruit du travail des abeilles, offrande glorieuse et solennelle que l'Église t'offre par nos mains. Nous savons ce que proclame cette colonne, qui brûle avec éclat en l'honneur de Dieu. Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Elle se nourrit en effet des cires distillées pour ce flambeau précieux par la mère abeille. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Ô si nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin. Celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre du salut inaugurée dans le mystère de Pâques.
Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit : Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander le jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit : Que les oiseaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles : Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa.
il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre. Qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers. Les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les deux sources et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend le cri. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Il renouvelle la face de la terre. De tes demeures, tu abreuves les montagnes. Et la terre sera rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: Eccomi, riprese. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», rispose, «Eccomi, figlio mio», riprese, «ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo», rispose: «Eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Fais de toi mon refuge. Garde-moi.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha en arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, il ne put se rencontrer. Moïse étendit les bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entra au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivaient. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entraient derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et il eut beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écriaient, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends les bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. »
Moïse étendit les bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtaient et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluaient et recouvrirent les chats et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir les merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
A reading from the prophet Isaiah. Thus says the Lord, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come, receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Why spend your money for what is not bread, your wages for what fails to satisfy? Heed me, and you shall eat well. You shall delight in rich fare. Come to me heedfully. Listen, that you may have life. I will renew with you the everlasting covenant, the benefits assured to David, as I made him a witness to the peoples, a leader and commander of nations. So shall you summon a nation you knew not, and nations that knew you not shall run to you, because of the Lord your God, the Holy One of Israel, who has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his ways, and the wicked man his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God, who is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. For just as from the heavens the rain and snow come down, and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats, so shall my word be that goes forth from my mouth. My word shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it. The word of the Lord. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ivre de joie, vous puisez les eaux, ô source du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le sublime et son nom. Ivre de joie, vous puiserez les eaux, ô source du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Vive de joie, vous puiserez les eaux, ô source du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple. Puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, alors que résonnent ces cloches de la basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, ensemble, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection
qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Israël, éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce jour-là, c'était un vendredi, le monde semblait s'être arrêté de tourner. Pour ceux qui avaient suivi Jésus le Nazaréen, tout espoir avait déserté leur cœur. N'avaient-ils pas été arrêtés, jugés, condamnés, humiliés et suspendus sur une croix comme un malfaiteur? Lui, le juste, celui dont on dira que partout où il passait, il faisait le bien, il était mort sur le bois de la croix. La mort durant 16 heures semblait avoir gagné la partie. Ce tombeau sur lequel la lourde pierre avait été roulée semblait avoir emprisonné la vie. Comment ne pas être brisé, anéanti? N'est-ce pas ce que tous mes frères et sœurs, nous pouvons ressentir en ces moments où la mort rôde avec violence dans notre monde, où la moitié de l'humanité, c'est-à-dire des milliards d'êtres humains, sont confinés chez eux, obligés pour le bien de tous de vivre cette affreuse distanciation sociale, comme on appelle avec des mots savants une réalité pesante. Ne le vivons-nous pas, ce désespoir, quand certains pleurent ceux qui ont disparu sans avoir pu leur dire adieu, quand d'autres agonisent seuls sur leur lit d'hôpital, quand la peur étreint sournoisement les cœurs? Que peut-on espérer dans ce monde devenu tout d'un coup si fragile et si vulnérable, alors que certains voulaient nous faire croire qu'il était indestructible? La réponse à ces questions nous vient par deux femmes, discrètes, humbles et tellement aimantes. Sans doute, comme les autres, avaient-elles été désorientées et profondément attristées par la mort de leur maître, mais au fond d'elles-mêmes, elles ne pouvaient pas se résigner à tourner la page. Il fallait qu'elles aillent voir le tombeau. On ne laisse pas partir comme cela ce que l'on a aimé. La réponse à ces questions ne nous vient pas dans la clarté rayonnante du soleil à son zénith, mais au moment où point le jour, à la fin du sabbat, comme pour signifier qu'il y a là une renaissance possible, un commencement nouveau. Et cette réponse est si forte que la terre en tremble,
que la nuit semble se déchirer d'un coup. Oui, frères et sœurs, jamais la terre n'a connu une telle nouvelle. La mort a été vaincue. Oui, vous entendez bien, la mort a été vaincue. C'est un ange qui vient le dire de la part du Seigneur. La haine n'a pas triomphé, c'est l'amour qui est victorieux. Les ténèbres n'ont pas envahi la terre, la lumière est venue fracasser leur épaisseur. Le tombeau est vide. Là se fonde notre espérance. Cette espérance n'est pas l'illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas un slogan mensonger qui vanterait une vie facile sans le mode échec. Notre espérance, c'est que la puissance de la mort et du mal ne l'emporteront pas, car Jésus le Christ est ressuscité. Il a affronté le mal et la mort. Il a porté sur nous toutes nos fautes et toute notre souffrance, et il n'a pas été écrasé. Le dernier mot de Dieu à l'homme n'est pas la mort, c'est la vie. Dès lors, pour chacun de nous, la question est bien simple. Y croyons-nous ? Y croyons-nous vraiment pour fonder notre vie sur cette réalité ? Y croyons-nous suffisamment pour que nous acceptions que notre regard sur le présent et sur l'avenir, sur les gens qui nous entourent et sur nous-mêmes, en soit profondément changé ? Car enfin, si la mort n'a pas triomphé, rien n'est jamais perdu. Si la haine a été vaincue, aucun être humain ne peut être définitivement rejeté. Si c'est pour nous que le Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, chaque être humain, quel qu'il soit, est appelé au salut. Si le péché a été vaincu, la culpabilité ne peut plus nous ronger. Voilà le commencement nouveau de la vie du ressuscité. Voilà la renaissance attendue. Et c'est aujourd'hui que cela est possible. N'attendons pas demain pour vivre la résurrection du Christ. Nous sommes ressuscités avec lui et désormais, comme le dit saint Paul, nous sommes appelés à une vie nouvelle, libérés de la servitude de ce péché qui nous empêche de déployer la grandeur de notre humanité. Cette vie, ces femmes de l'Évangile nous en tracent quelques grands traits. Elles sont d'abord partagées entre la crainte et la joie, et on sait que c'est la joie qui finalement l'emportera. Frères et sœurs, chers amis, il nous faut croire à cette joie possible, mais acceptons qu'elle soit simple et sans artifice. Acceptons que la joie de la résurrection ne s'épuise pas dans une fête perpétuelle, mais se déploie dans la paix que seul le Christ peut donner. Accueillons la joie intérieure qui n'a pas besoin de paillettes pour briller, mais qui devient si lumineuse qu'elle rayonne autour de nous et illumine le visage de ceux qui en sont témoins. Cette joie, nous la recevons et nous la donnons, car nous savons que le désespoir ne peut avoir le dernier mot, que la tristesse ne peut pas envahir définitivement nos cœurs, que la solitude ne peut pas nous emprisonner, que la rancœur ou l'amertume ne peuvent pas nous ronger. Oui, l'amour est vainqueur, non pas uniquement dans le Christ, mais nous en faisons l'expérience bien souvent également en nous-mêmes. La résurrection est le triomphe de l'amour, et c'est l'amour qui fait vivre. C'est en découvrant l'amour dont nous sommes aimés que nous apprenons la beauté de notre existence. C'est en découvrant l'amour dont nous sommes capables, que nous en donnons tout son sens. Jésus, dans l'évangile de saint Jean, conclut son long discours sur l'amour en disant « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est à la joie même du Christ, celle qu'il tient de sa relation unique et parfaite avec son Père, que nous sommes appelés. Il n'est donc de vraie joie que dans l'amour donné. Il n'est de vraie vie que dans le don de soi. Là est la vie nouvelle à laquelle nous invite le ressuscité. Mes frères et sœurs, pour vivre cette joie profonde, nous avons besoin de faire la rencontre du ressuscité.
après l'annonce tonitruante de l'ange, vient pour les femmes de l'Évangile la douceur de la venue de Jésus ressuscité. Oh, comme j'aime ces simples mots qu'il adresse à Marie de Magdala et à l'autre Marie. Je vous salue. Quelle délicatesse et quel respect. Jésus ressuscité se manifestera toujours à ses disciples avec une infinie douceur. Demain, il sera sur la route d'Emmaüs et ouvrira délicatement les yeux des disciples qui s'en allaient tout tristes de Jérusalem. Après, il invitera Thomas, l'incrédule, à accepter la réalité de la résurrection. Un autre jour, il proposera simplement à ses disciples de partager quelques poissons sur le bord du rivage. La résurrection du Christ a la force de la victoire et la douceur d'une caresse d'amour. Mais où pouvons-nous le rencontrer, me direz-vous ? Il nous faut encore écouter ce que Jésus dit à ses femmes. « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » La Galilée, c'est là que tout avait commencé. C'est là que furent appelés les disciples et là où Jésus a enseigné. C'est là qu'il guérit les malades et pardonna les péchés. C'est là que les disciples vécurent leur quotidien avec lui. Le Christ ressuscité, frères et sœurs, ne se trouve pas ailleurs que dans notre vie, dans l'ordinaire de notre existence. Il ne nous faut pas attendre du merveilleux et du magique avec Jésus. Il faut simplement accepter d'enlever cette couche de poussière qui assombrit nos cœurs. Il faut laisser tomber ces écailles qui obscurcissent notre regard pour découvrir qu'il est là, tapis au fond de nos vies, semblant dormir, mais si présent et demandant simplement qu'on lui fasse une place dans nos existences. La Galilée, c'est nous. La Galilée, c'est ici. La Galilée est tissée de nos relations habituelles et nous savons que le visage du Christ ressuscité apparaît d'une manière éclatante dans le visage des plus pauvres de nos frères. C'est pourquoi ce sanctuaire de Lourdes est un lieu de résurrection, non pas tant parce qu'il s'y accomplit des guérisons, mais parce que le Christ ressuscité y est présent d'une manière si poignante sur le visage de nos frères malades et handicapés, dans ceux qui sont fracassés par les difficultés de la vie. Frères et sœurs, cette nuit est sainte entre toutes. Elle est la nuit des commencements. Elle est la nuit du renouveau possible. Alors que notre humanité est plongée dans les ténèbres de l'angoisse et de la peur, une lueur est apparue. Elle devient lumière pour éclairer notre chemin. Le Christ est vivant pour toujours et il nous invite à la vie. L'amour a triomphé de la mort et Dieu nous propose aujourd'hui d'en vivre. Amen. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte de la résurrection du Christ, de nombreux catéchumènes auraient dû aujourd'hui recevoir le baptême. Plusieurs milliers dans notre pays en France, des dizaines de milliers partout dans le monde. En raison des circonstances, ils ne le pourront pas. Ils ne professeront pas devant la communauté leur foi. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à nous prononcer pour le Christ, à professer ensemble notre foi. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême
afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante ta gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Dites à Dieu comme tes œuvres sont redoutables. Devant ta face immense, l'adversaire te flatte. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, qui psalmodie pour toi, car c'est son nom qu'elle chante. Père entière, chante la joie au Seigneur. Alléluia, alléluia. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites. Pour les enfants des hommes, c'est offert de table. Père entière, chante la joie au Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 plenis angeli et terra, gloria tuus. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas et son frère Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblés devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, et particulièrement, nous te confions, Seigneur, tous ces malades qui meurent du virus, tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions pour eux. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et sœurs, unis dans un même esprit, où que nous soyons, seuls ou avec d'autres, nous voulons redire avec amour la prière que Jésus lui-même nous a laissée
d'un même cœur, nous osons Dieu appeler Dieu du nom de Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, le Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme.
Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, je vais maintenant vous bénir de la part de Dieu. Que cette bénédiction soit pour vous la force, afin d'avancer jour après jour dans les circonstances difficiles que nous connaissons, de croître dans l'amour, de nous enraciner dans la foi et de fortifier notre espérance. Puissions-nous, tout au long de ce temps pascal, vivre de la joie du Christ ressuscité. Puissions-nous être les uns pour les autres, là où nous sommes, témoins de cette résurrection, avec une joie ancrée profondément dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Mon âme chante le Seigneur. Alléluia. Mon âme chante le Seigneur. Alléluia.
temps, est-ce comme ça? Thank you.
pas de pétition. Enfin.